Nous assistons aujourd'hui à la cérémonie d'installation du président du tribunal, du procureur de la République et de leurs suppliés nouvellement affectés au tribunal de première instance de N'Djamena. Vous savez que la justice est un besoin de tous les jours et de chaque instant. Le premier devoir de l'État est de protéger la société contre les actes qui la menacent dans son existence, sa cohésion, ses valeurs et son organisation. Et l'État assure ses rôles à travers ses institutions dont la justice en est la locomotive. Quand on est un citoyen, on vit dans un État, on doit arrimer son comportement aux règles qui président à la conduite de la société. Ces derniers temps, nous constatons des comportements antisociaux qui se développent contre d'abord toutes les personnes dans leur ensemble, mais en particulier contre les femmes et les mineurs. Ce genre de pratiques doivent cesser puisque le rôle du procureur de la République, représentant de la société, c'est de protéger cette société par l'application stricte de la loi. Lorsqu'on est un citoyen lésé, on ne doit pas rendre justice soi-même. Parce que rendre justice soi-même, c'est commettre une vengeance. Et la vengeance n'a pas la forme du droit. La vengeance n'a pas la forme du droit. Lorsque un conflit s'élève entre des citoyens, entre des personnes, l'institution indiquée pour régler, pour juger cette affaire, c'est un juge, c'est la justice. Puisque rendre justice soi-même, comme je l'ai dit, c'est commettre une vengeance. Puisque la vengeance, c'est un acte qui vient de la personne lésée, qui est remplie de haine et de sentiments. Alors que ce rôle de juger, de réguler la société, l'État, à travers ses institutions, l'a confié à la justice. Donc que les citoyens sachent que nous sommes dans un état de droit, un état organisé. Et quand on vit dans un état de droit, un état organisé, on doit faire un effort pour arrimer son comportement aux règles qui président la société, qui président le fonctionnement de l'État.